Good morning, Aleiden. Nous sommes le mardi 5 Adar Bet 5776. Elle étudiera le Lishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara. Nous étudions Baba Kama Perek He Mishnah He. Achofer Bor Birshut Ayachid Uftacho Lirshut Arabim. O Birshut Arabim Uftacho Lirshut Ayachid. Birshut Ayachid Uftacho Lirshut Ayachid Acher Chayav. Achofer Bor Birshut Arabim Venafal Letocho Shor O Chamor Vamet Chayav. Echad Achofer Bor Shiach. ומערה חריצין ונעיצין חייב. אם כן, למה נאמר בור? מה בור שיש בו כדי להמית 10 טפחים? אף כל שיש בו כדי להמית 10 טפחים. היו פחותים מ10 טפחים, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור. ואם מוזק בו, חייב. דונות משנה, פרק משנה ה', jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'à la משנה ז', en fait. Trois prochaines משניות. On va parler essentiellement, on va parler uniquement même des lois de Bor, et à la fois du puits qui tombe dans le Rishut Arabim. D'abord une petite introduction. La Torah a parlé d'un cas où on creuse dans le Rishut Arabim, sur la voie publique, on creuse là-bas un puits, et la Torah nous raconte qu'est tombé là-bas un taureau ou un âne, et qu'il en est mort, et donc la Torah nous dit qu'il faudra le rembourser. D'accord ? Ça c'est les versets de la Mishnah. De la Torah. Et alors maintenant, il va falloir apporter plusieurs précisions. Et notre Mishnah va déjà apporter trois précisions importantes qui vont être le lieu où se trouve ce puits, la forme que ce puits a et la profondeur requise pour rendre responsable le propriétaire. De manière générale, on va pouvoir dire, on va prendre un cas un peu simple, c'est que s'il creuse un petit trou de 2 tfachim et que là-bas il y a un taureau qui trébuche et qui en meurt, eh ben on apprendra qu'on va en être dispensé. Parce qu'un trou de 2 tfachim, de 20 cm par exemple, un taureau qui tombe dedans peut-être éventuellement se casser une jambe, mais sûrement pas en mourir, et s'il en est mort, il sera considéré un petit peu comme anus, comme un malencontreux accident qui n'est pas vraiment responsable dessus, donc il ne devra pas dédommager, d'accord? Ça c'était très général. Maintenant, donc, comme on a dit, notre Mishnah va être séparée en trois parties. La première partie de la Mishnah va parler du lieu. Comme ce qu'on a expliqué là, comme ce que je viens de rapporter, la Torah a essentiellement parlé d'un puits que l'on creuse dans le Rishut Arabim, sur la voie publique, et qui cause un dommage sur la voie publique. Notre Mishnah, maintenant, va évoquer encore d'autres cas, d'autres lieux de puits où l'on sera responsable. Le premier cas, il est aussi évident, c'est le cas où on va creuser chez soi, en laissant l'embouchure du puits, l'ouverture du puits, sur la voie publique. Ouais, il a un petit peu débordé, c'est-à-dire le puits il était en profondeur, et puis il a mis une petite pente qui débordait dans le Rishut Arabim, et là-bas l'animal est passé, marché sur le côté, et il a trébuché, il est complètement rentré dans la propriété privée, il en est mort, donc il faudra bien évidemment dédommager, c'est normal, tu es propriétaire du puits, et tu as mis l'embûche sur la voie publique, de ce fait, tu es responsable, c'est ce que la Mishnah nous dit, « Achofer bor b'shut ayachid », celui qui creuse un puits dans le Rishut Ayachid, dans la voie privée. « Uftacho l'irshut arabim », et il a ouvert sur la voie publique, c'est-à-dire, comme on a dit, il a laissé l'ouverture qui a débordé un petit peu sur la voie publique. D'accord ? La Mishnah, maintenant, va nous parler les deux prochains cas. Alors, on va parler d'un cas d'une personne qui creuse sous la voie publique, mais sans mettre l'ouverture sur la voie publique. L'ouverture du puits, il la met entièrement dans sa propriété privée. Comme nos cousins palestiniens, ils creusent sous Israël. Le problème, c'est qu'eux, ils vont ouvrir en Israël. Là, on parle qu'il creuse sous la voie publique, mais il ouvre pour le moment dans le Rishut Ayachid. Ou encore, un deuxième cas, je vais vous expliquer le problème tout de suite, mais je préfère parler des deux cas en même temps, ça ira plus vite. Ou Birshut Ayachid, Uftacho Lirshut Ayachid Acher. Ou encore, un autre cas de figure aussi, c'est qu'il creuse dans sa voie, dans sa propriété privée. Et il ouvre aussi le puits dans une autre propriété privée qu'il possède. Et dans les deux cas, donc, il y a quelqu'un qui tombe dedans. C'est marqué Khayav, on est Khayav de dédommager. Et vous allez me dire, c'est sûrement pas logique, je comprends pas. Je creuse un puits chez moi, quelqu'un rentre et tombe dedans, je dois payer. Aucune logique à ça, bien évidemment. En parlant en réalité, la Gemara explique, dans les deux cas où l'ouverture du puits se trouvait dans le Rishut Ayachid, dans la propriété privée, on parle qu'ensuite, il a cédé sa propriété privée au public. Par exemple,
Il trouvait que la chaussée était trop étroite. Il s'est dit, allez, je leur fais cadeau, un petit mètre. Il a pris sa barrière et l'a fait reculer. Ce qui s'est passé, c'est que là-bas, il y avait l'ouverture du puits, du coup. Au début, le puits était creusé sous la voie publique. Il avait bien sûr pas le droit de le faire. Mais c'est pas grave. Entre ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on est porté responsable, il y a quand même une certaine distance entre les deux. En l'occurrence, il a creusé sous la voie publique, je reprends. Il a creusé sous la voie publique et il a laissé l'ouverture dans sa propriété privée. Pour le moment, il n'est pas du tout responsable si quelqu'un entre chez lui et tombe dans le puits. Ensuite, ce qu'il a fait ce monsieur, c'est qu'il a cédé une part de sa propriété pour élargir la chaussée. D'accord ? Et quand il a fait rentrer sa barrière, il s'avérait que l'ouverture du puits est restée sur la voie publique. Et bien, dans un cas pareil, l'ami ne pourra pas dire quoi. Déjà, je vous ai fait cadeau, vous venez en plus de ça me voir. On va lui dire, effectivement, on vient de voir. Tu nous as donné un cadeau empoisonné. Tu nous as cédé un terrain, on en était très content, on est parti jouer au foot, et c'était rempli de mines, on a tous explosé avec, ça va pas la tête. Bien sûr que tu es responsable sur ça. C'est la même idée. Tu nous as laissé l'ouverture du puits en nous cédant une part de ton terrain, c'était très gentil à toi, mais à cause de toi, on est tous tombés dedans, et donc tu dois tous nous dédommager. C'est la logique de la Mishnah, on refait ça dans les mots. O birshut arabim, uftacho birshut ayachid. Donc on parle encore d'un autre cas où il a creusé sous le birshut arabim, sous la voie publique, uftacho birshut ayachid, ensuite il a ouvert dans sa propriété privée. Ou encore, birshut ayachid, uftacho birshut ayachid acher, il a creusé dans sa propriété privée, il a mis l'ouverture dans une autre propriété privée, à lui ou à un voisin, peu importe, on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas l'idée c'est elle est là, il a laissé, et puis ensuite, il nous manque l'essentiel en fait dans la Mishnah, mais la Gemara le précise, il a cédé sa propriété au public, d'accord, et donc dans ce cas-là, il sera chayav, il sera porté responsable. Avant de faire un cadeau au public, tu dois t'assurer que personne ne va trébucher dessus, sinon garde tes choses, et au moins ne nous fais pas ni ton miel, ni ton dar, comme le Midrash nous dit. D'accord ? Ni tes tovot, ni tes raot, rien du tout, reste en place. Voilà pour la Mishnah. Maintenant, le cas évident que la Torah a évoqué, on parle du cas où il a creusé dans le Shut HaRabim et il a ouvert dans le Shut HaRabim. La Mishnah ne l'a pas encore dit, mais elle va nous l'enseigner tout de suite. On va mettre Hayav. Là, une fois que la Mishnah a fini de nous dire toutes les cas originales, alors là, la Mishnah nous dit, attention, j'ai oublié de te dire, le cas le plus évident qui est écrit dans la Torah, c'est en fait le pasouk explicite, qui iftach ou qui reishbor, benafal shamar shor ochamor va met, et qu'on sera chayav de payer, donc c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Achofer bor birshut arabim, celui qui creuse un puits dans la voie publique, benafal letocho shor ochamor va met, et qu'un taureau ou un âne est venu et est tombé dedans, chayav, comme c'est le pasouk explicite de la Torah, la Mishnah en fait est venue nous dire, c'est ça le cas primaire, le cas élémentaire que la Torah évoquait, mais ensuite, malgré tout, on déduit du fait que la Torah a rajouté parfois des petits mots de bord, de puits supplémentaires, on a déduit le fait que même le cas où on a creusé dans la propriété privée, voilà pour la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah maintenant, on va s'intéresser à la forme du puits. La Mishnah va nous évoquer 5 cas de forme de puits. On le fait d'abord dans les mots, après on explique la nécessité d'enseigner tous ces cas-là. Echad achofer bor, qu'il s'agisse de celui qui creuse un puits. Shiach, ça se traduirait plutôt une tranchée, c'est-à-dire un puits qui est étroit et long. Il a creusé un puits étroit et long. Je crois que même en hébreu moderne, on appelle les tranchées des shichim. Shiach, en tout cas, c'est une forme de puits étroite et long. Me'ara, alors Me'ara en hébreu, ça se traduit en général une grotte. Ouais, comme la Me'ara de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Me'ara, quand on parle d'un puits, on parle en fait d'un puits creusé en forme carrée, cubique, et recouverte d'un toit. Ça, c'est Me'ara. Charitzin, on parle maintenant que c'est la même chose que Me'ara. C'est aussi un cube en carré, avec cette fois-ci sans couvercle, sans couverture. D'accord ? Et Ne'itzin, alors Ne'itzin, c'est un puits, mais cette fois-ci creusé en forme de cône. Large en haut et étroit en bas. Dans tous ces cas-là, on est toujours chayav. On sera toujours responsable. De là aussi, on déduit ça du fait qu'il y a un mot en plus dans la Torah. Et question importante. Pourquoi a-t-il fallu
préciser qu'on est chayav, qu'on sera toujours responsable, quelle que soit la forme de ce puits. C'était un peu évident, c'est vrai finalement. Pourquoi a-t-il fallu le dire ? L'Agma en fait explique comme ça. Bor, initialement un puits, il a la particularité par définition. À l'époque, quand on creusait des puits, le minimum d'un puits qu'on creusait, c'était un puits profond de 10 tfachim. Un tfach, c'est un point, ça correspond à l'équivalent d'une dizaine de centimètres. 10, 11, 12, il y a des discussions, en tout cas voilà, on va prendre 10 centimètres. Et donc, 10 centimètres, ça fait l'équivalent de 1 mètre. Ça, c'est un puits, et qui était fait sous forme, en forme de rond. Un tel puits a la particularité d'avoir des conditions atmosphériques très désagréables. Quand on tombe dedans, la tête devant, on manque d'oxygène, on a particulièrement chaud. De ce fait, on aurait pu croire que pour être responsable d'un puits, on est porté responsable uniquement si l'animal tombe et s'étouffe. En plus, à part le coup violent qu'il peut prendre en tombant de 1 mètre, il y a le fait qu'en plus de ça, il manque d'air et à cause de ça, il est mort beaucoup plus rapidement. Alors c'est pour ça que la Mishnah a besoin de nous préciser, en fait, sache que même un puits où finalement qui est relativement aéré, jusqu'à qu'on va arriver au cas le plus extrême, qui va être le cas où, en forme de cône, où ça ne manque pas tellement d'air en bas, malgré tout, on sera toujours chayav. Étant donné que la Torah a utilisé le mot bor, donc le puits dans sa forme initiale qui est sous forme ronde et de dit fachim, alors on aurait pu croire qu'on aurait été dispensé de dédommager dans un cas de Nehitzin, le cas du puits en forme de cône, de V. Alors c'est pour ça que la Mishnah a besoin de nous le dire, que tu es Chayav. Alors en ce cas-là, vous allez me dire, pourquoi la Torah ne m'a pas explicitement dit que je suis Chayav dans un cas de Nehitzin ? Fallait me dire toute la Torah, toute la paracha de celui qui creuse, au lieu de me dire qu'il creuse un puits, il fallait me dire celui qui creuse un trou, un Nehitzin, en forme de V, de cône. Alors pourquoi tu avais besoin de me dire bor pour me tromper ensuite et qu'après il a fallu rectifier le tir ? Imken lama ne'emar bor, c'est ce que la Mishnah pose comme question. Imken lama ne'emar bor, pourquoi la Torah a besoin de me dire le mot bor et m'induire en erreur pour ensuite rectifier le tir ? Ma bor, pour en fait m'enseigner, parce que dans la bor il a une singularité pour me dire comme ça. Ma bor chez Yeshbo kedel amit asarat fachim, de même qu'un puits de nature, tout celui qui creuse un puits d'au minimum 10 tfachim, de 1 mètre. Moins que ça, on ne creuse pas un puits pour rien. On creuse un puits pour stocker de l'eau. Et il y a quand même un minimum d'eau à espérer obtenir, qui est un puits de profond de 10 tfachim, de 1 mètre. Af kol sheyesh bo kedei le'amit asara tfachim. En fait, on est entré dans la troisième partie de la Mishnah qui nous parle de la profondeur. C'est-à-dire, je m'explique. Non, on continue d'abord dans les mots. Af kol sheyesh bo kedei le'amit asara tfachim. De même, tout puits où on voudra le rendre responsable sur le fait que le puits a tué, il faudra forcément que ce puits ait 10 tfachim. 10 tfachim, 10 points, donc 1 mètre, plus ou moins. 1 mètre, 1 mètre 20. Par contre, ayuprotin me asara tfachim. Si le puits n'était pas profond de 10 tfachim, il faisait par exemple 90 cm, 80 cm, et alors là, Venafal, les Toho, Shor, Ochamor, Vamet, Patour. Et un taureau ou bien un âne est tombé dedans et en est mort, on sera dispensé de le dédommager. Vemuzakbo, Chayav. Par contre, si c'est juste, c'est la juste, subit un dommage, il s'est cassé une jambe, alors Chayav, on devra le dédommager. On explique tout ça à l'oral une fois qu'on a fait dans les mots, qu'on a fini de le faire dans les mots. Ça se passe comme ça. En réalité, la Torah a précisé que dans ce puits, il y a eu un animal qui est tombé et qui en est mort. Et la Torah a choisi le cas de Bor pour me dire, attention, tu n'es chayav de dédommager uniquement si le puits est naturellement censé causer ce dommage. Par contre, si un puits de quelques 3 tfachim, 4 tfachim, 40 cm, en temps normal, un animal n'est pas censé tomber dedans et mourir. Alors la Torah m'a fait allusion, en choisissant le mot bor uniquement, m'a fait allusion que si jamais le puits n'a pas une profondeur de 10 tfachim, de juste 4 tfachim, alors je serai dispensé s'il tombe et il en meurt. Le Rambam explique dans le Yad HaZaka, il explique
c'est quelque part, il est tombé un petit peu accidentellement, ce taureau. C'est-à-dire, il est tombé par ma faute, mais il est mort accidentellement. Je ne suis pas tellement porté responsable. S'il en est mort, c'est qu'il était assez faible et il est mort trop facilement, donc je ne suis plus porté responsable. Voilà l'idée. On reprend maintenant, on fait une petite synthèse de la Mishnah. On a parlé d'abord du lieu du puits. Donc, le cas type élémentaire primaire de la Torah, c'est le cas où on creuse dans le Rechut Arabim sur la voie publique et que le taureau tombe dedans et meurt. La Mishnah vient de nous apprendre, sache qu'il en va de même, que tu creuses dans la voie publique, dans ta propriété privée et que tu l'ouvres sur la voie publique. Ou le contraire, que tu creuses sur la voie publique et que tu l'ouvres dans la propriété privée, ou bien même que tu creuses dans la propriété et tu l'ouvres dans la propriété privée, mais qu'après tu offres ton terrain au public et que quelqu'un vient et meurt, donc tu seras faillable. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah, c'était de nous prendre 5 cas de figure, 5 exemples de formes différentes de puits, pour nous dire dans tous les cas tu es chayav, tu es porté responsable à partir du moment où ton puits est profond de 10 tfachim, donc de 1 mètre ou 1 mètre 20. Son krasonich, ça fait 12 cm en fait, le départ. Et ensuite, la troisième partie de la Mishnah, c'est de nous préciser davantage, sache que la profondeur 12 tfachim, de 10 tfachim, c'est pour être responsable de la mort de l'animal. Par contre, si se casse une jambe, tu seras quand même responsable, parce qu'un puits de deux tfachim, un tefach même, ça arrive toujours de trébucher sur n'importe quoi et de se fouler la cheville. Et donc dans ce cas-là, tu devras quand même le rembourser parce que tu seras responsable sur ça. Mais par contre, si l'animal meurt en trébuchant sur trois tfachim et il tombe, il se cogne la tête par terre, peu importe, il n'était pas censé mourir et donc c'est un peu la faute à pas de chance, tu seras dispensé de payer. On fait maintenant le Barthénora. Birshut ayachid ou patrol, birshut ayachid acheret. Alors, on se rapporte sur le troisième cas de la Mishnah, où il a creusé sur la voie privée, dans la propriété privée, et qu'il a ouvert dans la propriété. Afalgav de enkan tsad reshut arabim chayav. Bien qu'il n'y ait pas, dans un tel cas, de reshut arabim, de voie publique, il sera malgré tout porté responsable. Au bilvad imifkir reshuto ota shepi abor le tocha. À condition tout de même que finalement, au bout du compte, il a été mafkir. Il a annulé sa propriété pour la céder au public. Il a été mafkir son rechout. Ota, c'est celle où il y a l'ouverture du puits qui se trouve à l'intérieur. Petite parenthèse si ça vous intéresse. Par contre, s'il a donné entièrement le puits et sa propriété, il a tout donné. Alors là, il y a une discussion dans le Rishonim. Selon Rashi, on sera chayav. Le Tiferet Israël rapporte ici la halakha qu'on sera patour. Parce que dans ce cas-là, on n'a plus rien du tout. C'est-à-dire, je n'ai pas été fautif au moment où j'ai creusé le puits, parce que j'étais entièrement dans la propriété privée, et je ne suis pas fautif ensuite quand je cède, parce que je me défais complètement de toute la propriété. Enfin, c'est un peu discuté, c'était juste histoire d'élargir un petit peu le sujet. Alors maintenant, on se rapporte sur la deuxième partie de la Mishnah, selon la forme. Et le Barthénora va nous expliquer la forme de chacun des 5 puits. Qu'il s'agisse de celui qui creuse un puits. Ou Asui Agol. C'est celui qui est fait en rond. Shiar Aroch Vekatsar. Il est long et étroit. Me'ara Meroubat ou Mechoussa Bekiroui. Elle est carrée et elle est recouverte avec un couvercle. Elle a Sheyesh Lapé. Mais elle a bien sûr une petite ouverture, sinon ça ne sert plus à rien cette méa. Charitzin. Alors maintenant, c'est quoi le cas de Charitzin? Il nous explique. Rechavim ou Meroubaim Kameara. Ils sont larges et carrés comme la Meara précédemment citée, la grotte, si on devait traduire littéralement. Et là, chez Enan Mekorin, avec la petite différence quand même, c'est qu'ils ne sont pas recouverts. Ne Itzin, alors on parle qu'ils sont Ktsarin Melemata, étroits en bas, Verechavin Melemala, en forme de V ou de cône. Inversé. Mabor Sheyesh Bokedela Mita Satrachim. Maintenant, on se rapporte sur la fin de la Mishnah complètement. On avait vu que la Torah a précisé le mot Bor pour nous apprendre que, attention, tu n'es chayav sur la mort de l'animal uniquement s'il y a 10 tfachim. Pourquoi ? Barthénora nous explique des stambors. Si on vivait à l'époque où on creusait des puits, alors on saurait tous très bien qu'un puits, ou gavoa asara tfachim, il a au minimum, ouais, il faut rajouter ça selon Rashi, mais en tout cas, il a au minimum 10 tfachim. On fait des puits plus profonds, mais en tout cas, on ne fait jamais des puits moins profonds. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha. Rendez-vous demain et coltou, c'est là, coltou.